Vendredi, ici, là, il y a quelqu'un, je te vois, tu gardes un endroit, tu es un vigile, tu pleurais même, tellement tu te sentais mal. Tu as dit, Seigneur, que le Seigneur se souvienne de toi. C'est qui? Ah. Yes, Daddy, come on. Le commandant des drones. C'est qui ça? Papa, le monsieur est en tenue de vigile. Enlève, je vois. Come on. Yes. Tu vois clair, Daddy. Je ne sais pas. Toi-même, il faut choisir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? Toi-même, il faut choisir. Papa, je veux que je vais être libre de ma vie. Tu veux être libre? Yes. Oui, il doit être libre parce qu'il y a un tronc de bois. Ils ont adoré un bois. Et maintenant, le bois là, l'arbre là, ils ont adoré. L'arbre là était là dans le premier village parce que leur village a été déplacé. Parce qu'ils ont fait maintenant la route. Et puis, ils avaient un arbre qu'on dit route là doit passer. Oui, c'est vrai. Ils ont coupé, mais pour faire un tam-tam plus un tabouret. Oui. Femme ne s'assoit pas dessus. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. Come on, Daddy. Et c'est toi-même, tes parents, qui gardent ça. C'est vrai. Le premier qui a gardé ça, le vieux André, quand il a gardé, il est mort, il est décédé. Oui. Après, c'est arrivé chez tes parents. Mm-hmm. Donc, vous avez gardé. Femme, ça ne soit pas dessus. C'est vrai. Oui, non. Et puis, garçon qui est parti avec femme la nuit, le lendemain, il ne peut pas toucher ce tabouret-là. Ce tabouret, comme tabouret en bois, c'est comme une chaise. Mm-hmm. Et puis, il y a un truc, c'est comme ça. Un arc comme ça. C'est ça, non? Oui. C'est ça qu'ils ont pris pour faire, pour que, comme l'âme n'est plus là. Come on, Daddy. Maintenant, quand vous devez aller à Abidjan pour vous préparer, on te fait asseoir, on vous fait asseoir dedans une fois. On te fait lever deux fois et puis trois fois. C'est vrai. Et on prend, yes. On prend cabri à un mouton. Mm-hmm. Et puis on tue. Tout le monde mange. Mm-hmm. Comment? C'était chaud. C'était chaud parce que toi, à partir du CE2, ça commençait à être très compliqué pour toi. C'est vrai. Déjà, quand tu partais au CM1, au CE2, c'était déjà compliqué. Maintenant, tu étais en train d'aller au CM1, tu as commencé à voir pas clair. Ils ont attaqué tes yeux. Je ne vois même pas. Quand on dit d'écrire là, tout est mélangé. J'ai écrit seulement, mais je ne sais pas ce que j'ai écrit. Donc, on a dit, ils n'ont qu'à laver tes yeux et te laver et que c'est l'école qui n'est pas bon pour toi. Tu m'as compris? Oui. Tu as lutté, tu n'as pas pu. Mm-hmm. Après, ils sont allés à Vavoie. Chez quelqu'un qui s'appelle Mathieu, le vieux Mathieu. Mm-hmm. À Vavoie, ils ont pris un petit truc pour t'envoyer. C'est là en ce moment où tu avais mis, quand tu étais enfant, quelque chose là. Oui. Une corde. Oui. Quand tu as grandi, ça serrait, ils ont coupé. Mais quand même, l'esprit est resté. Tu as grandi maintenant pour t'envoyer sur le terrain. Quand il y a eu la guerre, ils t'ont mis à soi dedans comme ça. On vous a préparé, on dit, allez vous chercher. Premier escalade, je vais t'expliquer. Je peux prêcher. Hein? Non, quand tu expliques la vie de quelqu'un, c'est indiscutable. C'est vrai. Alléluia. Amen. Voilà. Il n'y a pas de discussion dedans. Il sait que je suis en train d'expliquer sa vie. Moi, je suis un voyant. C'est mon métier. Yes, Daddy. C'est ce que je sais faire. Come on. Pourquoi je parle? C'est pour vous expliquer qu'il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais le voyant sait de quoi il parle. Yes. Quand il dit, je vais être libre là, je vous explique, c'est dans quelle prison il est. Il connaît. Come on, come on. Ils l'ont mélangé complètement. Il est venu une première fois se débrouiller, il a échoué, il est retourné, il travaillait dans le champ. Il travaille, il casse bois, il défriche et on lui donne l'argent. Et il se battait. C'est ça. Vrai ou faux? C'est ça. Ici, il lui dit exactement la dernière somme qu'on lui a donnée. Il va être étonné. Nous, on donnait 10 000 francs, plus 2 000 francs, plus 2 billets de 500 francs. C'est le dernier comme ça. Bon. Comme ça qu'il a eu. C'est vrai. 10 000 francs.
2000 francs, hey, deux billets de 500 francs. Papa, il dit c'est vrai. Et la personne a bien fouillé. Au fond, il y avait 300 francs. Et puis, il t'a donné pour le kiosque. C'est ça. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu restais quand vendredi, là, tu étais triste comme ça. C'est ça que j'ai entendu. Et puis, j'étais appelé. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'on dit tu dois. On dit ce que tu dois, là. Les esprits sont en train de parler dans ton être. Ils ont dit tu dois bla. C'est quoi? Bla. Tu comprends pas? C'est mouton. C'est mouton, hein? On dit tu dois. Acclame le tu as, Seigneur. Tu as l'argent de mouton. Non. Tu n'as pas l'argent de mouton. Hein? Le premier dimanche du mois de novembre, il faut venir avec ton mouton. Moi-même, je t'aide à payer ça. Je suis ton papa. Hein? Acclame le Seigneur Jésus. Je te donne. Merci, papa David. Tiens, attrape ça. Attrape. Ça là. Si tu as pris que tu allais manger poulet ou bien choukouya, ça c'est ton problème. Moi, je te donne parce que je veux. Yes. Je t'ai donné ça. Débrouille-toi. Si ça n'arrive pas, il faut compléter. Tu payes un petit mouton. Bébé. Premier dimanche du mois de novembre. Déjà, va réserver ça. Premier dimanche du mois de novembre. On acclame le Seigneur. Ah. Yes. Ah. Amen. Ah. 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 Que Dieu bénisse les frères. Que Dieu bénisse les sœurs. Qui sont en train de poser l'acte. Amen. Bienvenue à la terre de l'exaucement. La MRI. Avec le prophète des nations, le révérend Père Dolski Jaurès Yoro, l'homme qui voyage dans les villages pendant qu'il est à Abidjan physiquement, l'homme qui déterre les destinées en fruit de la mort. Come on. Yeah. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il a dit, Papa Yahweh, je veux être libéré. Il a dit, Papa Yahweh, je veux être libéré. Yahweh a vu, entendu le cri de ce frère. Il a dit oui, personne ne peut dire non. Il a dit oui, personne ne peut dire non. Non, 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 non. Il a dit oui, personne ne peut dire non. Il a dit oui. Personne ne peut dire non, 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 non. Il a dit oui, personne ne peut dire non. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Come on. Oh yes, oh yes, oh yes. Ooh. My God, my God. Acclame Jésus. Yeah. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh la la la. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il a dit oui à ta prospérité. Il a dit oui à ta libération. S'il a dit oui. Si Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ton mouton n'a même pas encore été tué. Dieu m'a été béni. Yes. Ce mouton-là, notre Dieu est jaloux. Tu n'iras pas le donner au village. Tellement c'était chaud. Tu cherchais transport. Tu dis tu t'en vas, on va te préparer. Quelqu'un n'a qu'à te préparer. Cette affaire-là. Mettre là, prier, tu pries, mais bon.
C'est tes pleurs là, j'ai entendu. Ce projet là n'aura pas lieu. En Jésus-Christ, il y a le salut. Amen. En Jésus-Christ, il y a la réponse. Amen. Moi-même, je ne sais pas. Tu as payé transport cadeau parce que tu as parti. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux que l'homme de Dieu que je suis. Amen. Il n'y a pas un marabout qui prophétise mieux que ce que Jésus fait dans cette nation ici. Amen. C'est parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas quand Jésus est un prophète. La Côte d'Ivoire aussi sont prophètes. Comment? Yes. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ce que tu as demandé là, tu es libéré. Yes. My God. S'il a dit oui, personne ne peut dire non. S'il a dit oui, personne ne peut dire non. Non, 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 non. S'il a dit oui, personne ne peut dire non. S'il a dit oui, personne ne peut dire non. Non, 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 non. S'il a dit oui, personne ne peut dire non. Je vous remercie, mes frères et sœurs, pour tout ce que vous avez fait pour votre frère. Que Dieu remplace. Qu'il vous le rende au centuple. Qu'on se souvienne de vous à chaque fois que vous aurez l'impression d'être oublié. Que quelqu'un vient vous faire sortir des difficultés. Chez nous, encore, tu vois, dans un jargon, on dit le bléa. Que quelqu'un vient vous faire sortir du bléa. Qu'à la dernière seconde, il y ait un ange qui vient vous sortir d'affaires. Que vous ne manquez de rien. Amen. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait ce soir. Dieu a vu ça.